qu'il y a des actions par la suite qui se prennent. Et il est temps de reconnaître les artistes, leurs travaux et de leur donner un statut. J'espère justement qu'on puisse mettre sur pied des systèmes de grants, de schemes, de funds, comme on le fait dans les autres pays, et qu'on puisse avoir les mêmes facilités pour pouvoir produire des films, des séries télévisées, etc. La seule chose que j'ai demandé au Premier ministre, c'est le respect et la considération pour les artistes. Et aussi que la Clarice House devienne une résidence artistique qui puisse être utilisée autant par les artistes mauriciens et étrangers. Je propose trois affaires. C'est un Art Council et je aussi propose un Art Cluster. Nous regroupons tout le monde professionnel. Que Lucas, mon monsieur aussi Tidia, un National Dance Troupe. Les pareils comme ça, Art Cluster, là, ça veut dire que nous représentons nos pays. Nos pays, ce n'est pas que certaines communautés. Et Art Council qui nous fight pour les artistes, pour tout ce monde de Léon. Ça veut dire côté finance, côté programme, performance, promoting the artists. Je veux dire qu'il m'a dit besoin de l'espace pour que les artistes puissent performer. Ça veut dire créer un stade de la musique, parce que tout le temps peut promettre, non, on n'y a pas déroulé. Ça commence à être proposition qui déroule là, en 45 minutes, et maintenant, c'est besoin de prendre tout ça en considération. Bon, tout peut plus faire un peu chaud, un peu comique, un peu, comment dire, on est pour la télé peut-être. Si j'ai envie, prendre en considération. Il y a besoin de jeunes, de secteur qui déjà peut montrer ce rêve, qui est un coup, comment peut évoluer, comment peut évoluer, qui problème, qui faille, qui est là. Le Conseil des ministres, s'il approuve pour qu'il aille par le comité et travaille, ça vient de monter dans le par le comité, mais l'artiste travaille, il y a un coup, ça n'a pas de faille, l'autre. Tout ce qui peut causer là, si pas mettre la loi, si pas votre travail par le comité à copyright bill, si pas mettre la loi en place, tout cela dans le vide. Déjà, premières affaires qui vous faire, vous mettre l'ordre dans ces affaires qui appellent le ministère et qu'il tire. Vous mettre l'ordre là-dedans. Tout le temps, nous mettons ce qui appelle la culture en dernière position. Ça veut dire qu'il y a un dernier net dans le pays.